Bonjour à tous. Oh, qui a déplacé ma veste? Le porte-manteau de gauche doit rester libre. Bon, est-ce que quelqu'un ici a envie de se suicider? Je dois vous poser la question, c'est la médecine du travail qui le demande. Non? Alors, votre visite médicale annuelle devait avoir lieu lundi, mais la doctoresse est absente, donc finalement, c'est moi qui vais vous la faire passer. Hein, je ne suis pas médecin officiel, mais je connais bien le corps humain et la psychologie. Hein, donc, on va faire ça aujourd'hui, on sera débarrassé. Mais rassurez-vous, c'est totalement confidentiel, ça restera entre nous. Tout le monde s'est lavé ce matin? Ouais. Bon, bah, y a rien à craindre. Ok, on va commencer. Je vois d'abord les gens qui font de l'antenne et on terminera par le service de nettoyage et les RH. Allez, j'en parle, on y va. Alors. Ok, allons-y. Je vais mon... Ah non, 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 surtout pas. Ah bon. Alors. Bon, je vais devoir te retirer de l'antenne. Ah bon? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de métastase qui gêne ta respiration. À confirmer, à confirmer, t'emballes pas. Tu manges gras, toi, non? Kebab et compagnie? Ouais. Le week-end, tu te prends des cuites? Un peu. Ouais. Et au boulot, ça va? Il y a une bonne ambiance avec les collègues? Ouais, super. Ouais. T'as un bon patron, en plus. Ouais, ça va. Bon, je vais te prescrire de l'huile. Enfin, je vais te prescrire. C'est pas une ordonnance, mais tu trouveras ça en parapharmacie. De l'huile essentielle de cyprès, hein, à mettre dans ton café le matin. Plus une prise au milieu de la nuit. T'as pas d'antécédent? De quoi? D'allergie au cyprès? Je sais pas. Bon, tu verras bien. Si tu te mets à gonfler, 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 c'est que t'es allergique. Il est bien fait ton bridge à gauche, hein? On en fait plus des comme ça. T'as pas de dents dévitalisées? Non. Non, parce qu'à Canal, ils aiment pas trop pour l'antenne. Les gens qui ont une dent dévitalisée, souvent, ils sont tristes. Hein? Ça se voit, ils sont éteints. T'as pas des idées noires? Non. Non. Et niveau sexe, ça va? Tu prends encore du plaisir avec ton mari? Parce que c'est important, ça. Oui. Ouais. Moins qu'avant, j'imagine. Bon, la vue, maintenant. Qu'est-ce que tu vois, là? Un Z. D'accord. Et là, tu vois toujours un Z? Oui. Bon, bah, c'est bien, alors. Non, parce que Laurence, elle, quand j'éloigne, elle voit un 2. Donc... Bonsoir à tous. Vous savez sans doute que je fais un peu de chirurgie à mes heures perdues. Et justement, aujourd'hui, je vous propose un dispositif spécial, puisque pour la première fois à la télévision, on va disséquer un mort. Une façon ludique de faire le buzz. Ça va être une boucherie.